Quand on est patron de PME, on a plein d'avantages, plein d'inconvénients, mais on est quand même un peu seul. On n'a pas les moyens d'avoir de développer des nouveaux produits, on n'a pas les compétences. Lafarge m'amène des solutions, m'amène un appui technique et surtout aujourd'hui me propose aussi des formations et un accompagnement pour moi de plus en plus important parce qu'on est liés quelque part. Lorsque Lafarge nous a proposé ce type de formation, nous avons tout de suite été séduits, nous avons pensé que ça pourrait être des atouts pour notre équipe commerciale. Cette franchise pouvait nous apporter des choses qu'en tant qu'indépendants, nous ne pourrions jamais atteindre. Donc pour nous, c'est vraiment un investissement et ça nous a permis d'aller plus loin. Cela veut dire qu'il nous donne un coup de main sur le marketing, sur le commercial, sur les formulations techniques. C'est toute son expertise, quoi. Donc nous, ça nous a permis aussi d'acquérir certaines connaissances. Ce qui est pour moi le plus important, c'est qu'ils étaient à l'écoute. Il m'amène une réponse et sûrement un volume d'affaires que je vais récupérer par rapport à cette licence. Le gain a été obtenu au niveau de la formulation globale du béton et il peut être estimé autour de 4%. On a réalisé un collège où il y avait à peu près 10 à 11 000 mètres cubes d'Agilia et donc bien évidemment il y avait une marge additionnelle importante sur ce type de produit. Si nous devions aller plus loin avec Lafarge, je ne leur demanderai pas des prix supplémentaires ou des remises supplémentaires, mais du conseil supplémentaire.